soit. Allez, 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 eh bien, nous avons eu la semaine dernière les joueuses de l'USPA Volleyball, Albi, et aujourd'hui nous avons le SCA avec les joueurs, et nous avons Vincent, le capitaine de l'équipe, qui va nous raconter un peu son match de hier au soir. Ben ouais, c'est vrai qu'on a fait un gros déplacement au Yonnax, c'est un match assez délicat, c'est toujours difficile de se déplacer là-bas. Et on a ramené une belle victoire, avec une belle prestation en plus. Voilà, bon, on a un peu la tronche à l'envers quand même parce que le voyage a été très long, même interminable, mais on est content d'être ici. D'accord, ben vous allez pouvoir un peu vous remettre parce que là vous allez faire un défilé, vous allez être festif, vous allez être acclamé, vous avez tous des stylos pour saluer et pour signer des autographes. D'après mon expérience des années précédentes, c'est quand même un gros combat aussi là qui nous attend. Oui, je crois que c'est un gros combat. Le week-end dernier, on a eu plus de 50 000 personnes qui étaient le long du défilé. Je pense qu'il y en aura un petit peu moins quand même ce week-end, il fait un peu moins beau. Mais il y a des mondes qui vont vous acclamer, je pense. Ben, on espère, écoutez, on va être là de toute façon pour participer à cette fête. Vous avez avec vous toutes les pom-pom girls du SCA, Francine? Comment elles vont, ces filles? Elles vont très bien. Tu sais, elles adorent le SCA. Elles adorent faire plaisir aux supporters, au public albigeois et faire plaisir aussi aux joueurs parce qu'on est surtout là pour eux, pour les joueurs, hein, en premier. Et puis aussi elles sont là pour le public aussi, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais elles enchantent le public, je peux te le dire. C'est vrai. Elles ont beaucoup de volonté. Nous avons les pom-pom girls les mieux cotées de toute la division. De la Pro D2, je dirais. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, juste un petit mot au sujet du carnaval. Le Sporting Club Albigeois est très fier de défiler dans avec vous au carnaval parce que c'est une histoire d'amitié qu'il y a entre ces deux associations. Et ça va faire 5 ans que nous sommes avec vous et j'espère qu'on continuera encore plusieurs années. Alors ma Francinette, je vais te le dire clairement, c'est nous, Carnaval d'Albi, qui sommes fiers et heureux et vraiment honorés de vous avoir avec nous. C'est gentil. Faut pas oublier que ces deux associations représentent la ville d'Albi et comme nous aimons notre ville, nous sommes fiers de la représenter. Sí, hasta mañana.